Dieu nous appelle à aller en eau profonde. Et hier, on a parlé avec le pasteur Georges Amoako de la façon dont Dieu nous appelait aussi à sortir de notre barque. Et même si effectivement, c'est Pierre qui a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de sortir de la barque. » Dieu nous appelle en tout cas à aller de l'autre côté de la rive. Et pasteur, vous avez prié hier par rapport à une personne qui avait reçu cette lettre de licenciement. Et ça m'a rappelé ensuite, après l'émission, la façon dont des fois on est vraiment confortable effectivement dans notre métier ou dans certains postes. Et ça m'a rappelé toutes les fois à Enseigne-moi où j'ai été déplacé de fonction, où on déplace même les uns les autres de fonction, de couloir. Un jour j'ai été ceci, un jour j'ai été cela, un jour on m'a amené ici. Et en allant dans le bureau de Pasteur Michael, après l'émission, je me suis rappelé que c'était aussi mon bureau à un moment. Et ici, dans les studios, dans les bureaux, on a été déplacés de bureau en bureau. Et en fait, des fois, on est inconfortable. En fait. C'est ça. Et j'ai réalisé que, autour de moi, il y a des personnes qui ont été des fonctionnaires. Et dans la fonction, par exemple, la fonction publique, souvent, les gens vont être là de 8h à 16h. Et ils deviennent tellement habitués à tout ce qu'ils font. Quand des fois certains n'ont jamais l'idée d'aller peut-être plus loin, plus haut, parce qu'ils sont là à leur poste et tranquilles. Et souvent Dieu vient, fois vient nous bouleverser pour nous amener plus loin dans l'inconfort. Et c'est important d'être ouvert à ça, à ce que Dieu nous amène dans cet inconfort-là, parce que Dieu veut nous amener plus loin. C'est ça. Et le peuple d'Israël, à un moment, ils ont dit dans le désert, là-bas en Égypte, on avait à manger, là-bas on avait toutes sortes de choses, ils avaient beaucoup exagéré, mais Dieu, il fallait qu'il passe par là, il fallait qu'il passe par le désert pour entrer dans les promesses de Dieu. Peut-être dans votre vie, vous êtes comme ça, il y a peut-être un licenciement ou peut-être quelque chose de nouveau, et comme vous le disiez hier, félicitations. Ouais, félicitations. Félicitations, et si on a un bon cœur, il y a quelque chose de mieux, de beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on veut parler et prier par rapport à ces eaux profondes. Qu'est-ce que c'est les eaux profondes et est-ce que Dieu nous appelle à y entrer? Comment on peut y entrer? Oui, tout à fait. Dieu nous appelle à aller en eau profonde. Mais même avant ça, Dieu s'appelle l'émission d'hier. Moi, je pensais, Dieu m'a mis à cœur quelque chose. Je voyais comment Jésus était avec ses disciples. C'est une manière de les former. À un moment, il était dans la barque avec eux et il dormait. Il y a eu le même problème et ils étaient obligés de le réveiller. Et Jésus a parlé au vent. Mais Jésus attendait plutôt que les disciples eux-mêmes prennent leurs responsabilités en main, ce qu'ils n'ont pas fait. Jésus dit, OK, la prochaine fois, je ne serai pas avec vous. et on va voir. Et c'est cette prochaine fois-là que Jésus n'était pas avec eux. Jésus voulait voir leur réaction. Et encore, au lieu de parler au vent, parler à la situation. Panique. Au lieu de parler à la situation, ils ont commencé à paniquer. L'autorité que Jésus nous a donnée, ce n'est pas sa présence physique, mais c'est sa parole. C'est sa parole. Parce que sa présence physique ne peut pas être avec nous tous les jours. Mais il nous a donné sa parole. Sa parole, c'est Jésus lui-même en parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors il y a un homme de Dieu qui a dit, la parole, la Bible, c'est Jésus imprimé. Alors quand il y a une situation comme ça, ce que Jésus attendait de nous, c'est utiliser la parole. Et de parler. Malheureusement, ils n'ont pas parlé. Et c'est Pierre seul qui demande à venir. Et Jésus n'a pas dit venez. Il dit viens. Parce que c'est une seule personne qui demande à venir. Alors que Jésus attend que tout le monde marche sous l'eau. Malheureusement, c'est Pierre seul qui ose. Et Dieu veut que tout le monde ose. Alors, dans la même pensée, nous allons voir Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, et je lis les 7 premiers versets.
Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils lavent leurs filets parce que rien n'a marché. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfoncèrent. Wow! L'autorité de la parole de Jésus. Voici Pierre, encore, avec son équipe, qui ont travaillé toute une nuit, sans rien prendre. C'est incroyable. Ils ont commencé à laver leurs filets. Pour Pierre, c'est une nuit perdue, sans espoir. Et encore, Jésus vient au moment opportun. Il vient au moment opportun. Il vient jamais en retard. Il vient à l'heure divinement prévue. Et je pense à les trois Hébreux qui ont été jetés dans l'eau, dans le feu. Il est allé au moment opportun. C'est ça. Il ne vient pas en retard. Il vient au moment opportun. C'est à cause que la Bible dit, quand la vision tarde, attends-la. Elle se réalisera certainement. Pierre a travaillé toute la nuit avec son équipe. Pas résultat. Escompté. Ils n'ont rien pris. Voici Jésus qui vient. Il se sert d'un bateau, il fait son ministère. Et après, il va dire merci à Pierre. Il va marquer sa reconnaissance. Il dit à Pierre, avance en eau profonde. Avance. Pierre était étonné. Nous, on est pêcheurs. Toi, tu es prophète. Tu es prédicateur. Tu es venu prêcher, tu as fini de prêcher. Dis-nous merci et c'est fini. Et tu vas nous dire d'avancer, tu vas me dire d'avancer en eau profonde. Moi, je suis un pêcheur. La nuit où tout est calme, où les poissons étaient sensibles, on a tout fait, on n'a pas eu. C'est pas maintenant où tout le monde est là. Voici la foule qui te suit. Les gens parlent ici, parlent là-bas. On ne peut pas attraper poisson à cette heure-là. Ça n'existe pas. C'est contraire à la formation de Pierre. C'est ce que Jésus disait est contre sa formation, contre sa déontologie en tant que pêcheur. Alors voici ce qu'il dit. Je vais le faire sous ta parole. Parce que pour moi, là, ça ne se fait pas. L'heure où on attrape là, on est venu,
on a travaillé, on n'a pas eu. L'heure à laquelle tu me dis de faire, là, ça ne se fait pas ici. Alors je vais aller sur la base de ta parole. Mais ce qui est intéressant, Jérémie, est que voyons bien ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, avance. Jésus parlait personnellement à Pierre. Avance. Et après, il dit, jetez vos filets. Il n'a pas dit avancer. Il dit avance. Mais il dit jetez vos filets. On voit jeter. On parle de plusieurs personnes. Avance, on parle d'une seule personne. Mm-hmm. Pierre n'a pas saisi la portée prophétique de ce que Jésus disait. Et si on voit la réponse de Pierre, nous avons travaillé toute une nuit sans rien prendre. Sur ta parole, il dit je lance-le. Mais Jésus n'a pas dit toi lance. Jésus dit lancer, jeter. Pierre dit je jetterai le filet. Alors que Jésus dit jetez vos filets. Ce n'est pas un seul filet. Chaque pêcheur doit lancer ses filets. Parce que le poisson que la parole de Dieu a produit en bas là-bas, là, c'est incalculable. Un seul filet ne peut pas attraper. Alors Jésus lui dit, avance. Excellence, Jésus nous appelle aujourd'hui à jeter pas un seul filet, mais à jeter nos filets. Jeter vos filets. Vos filets. Parce que ce qu'il a stocké pour toi, les poissons qu'il a bloqués pour toi, un seul filet ne peut pas. Il t'a donné plusieurs capacités, plusieurs dons. Et je pense à cette dame qui avait perdu son mari, dont le mari était prophète, qui avait laissé des dettes comme héritage. Il allait voir le prophète, pensant que le prophète allait lui donner de l'argent. Et elle allait voir le prophète, pardon, elle a dit tout son problème. Le prophète dit, qu'à toi à la maison, que puis-je faire pour toi? Pour elle, elle n'a rien. Elle se rappelle qu'elle avait une bouteille d'huile. Le prophète dit, c'est important. Va chercher des vases. Va au dehors, chercher des vases. Beaucoup de vases. N'emprunte pas peu. Beaucoup de vases. Parce que le miracle que Dieu va faire, un seul vase ne peut pas. Il ne peut pas contenir. Le miracle que Dieu va faire, un seul filet ne suffisait pas à Pierre. Mais Pierre n'a pas saisi cette révélation. Il a lancé seulement un filet. Alors que Jésus disait, vos filets. Cela veut dire, mon filet, ton filet, l'autre filet. Si tous les pêcheurs de Galilée et Gennesaret étaient là, et chacun lançait ses filets, tout le monde partira heureux. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, il ne faut pas limiter Dieu. Pierre a limité Jésus. Mais Jésus n'a pas réagi. Jérémie, Jésus n'a pas réagi parce qu'il se disait que c'est ce que sa foi peut. Sa foi peut. Pour lui, sa foi, c'est un seul filet. Alors, Jésus l'a laissé, il a lancé un filet. Et la Bible dit le filet. Quand il a lancé, maintenant, il n'arrive pas à tirer. Parce que une seule lancée, voici le miracle. Toi, tu peux travailler des années sans rien avoir.
mais sur sa parole. Dans quelques instants, dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines, ce qu'il va te donner sous ta parole, peut-être toute une vie tu n'as pas eu. Raison pour laquelle nous devons apprécier l'autorité de sa parole. On n'a pas besoin de la présence physique de Jésus avec nous. Mais on a besoin de sa parole avec nous. Sa parole, c'est une parole créatrice. Sa parole crée. Où étaient les poissons quand Pierre travaillait toute la nuit? On ne sait pas. Où étaient les poissons? Peut-être même cet endroit où Jésus dit à Pierre d'aller. Peut-être qu'ils ont déjà parcouru là-bas. Mais la parole de Dieu est une parole créatrice. Alors que nous allons prier pour toi, crois que la parole de Dieu crée. La parole de Dieu, c'est une force créatrice. Quand la parole vient, c'est pour créer. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En parlant de la parole. Et la parole s'est fait chair. Sous ta parole. Et la parole s'est fait chair. Je vais prier pour toi, Excellence. Peut-être tu as travaillé toute une nuit. Peut-être tu as travaillé toute une année. Peut-être tu as travaillé toute une vie. Et tu n'as rien eu. Et tu penses que c'est la fin. Je n'ai rien. J'ai perdu. Jésus vient dans ta vie. Et Jésus dit, retourne. Va en eau profonde. Le même endroit où on t'a refusé, retourne. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas refusé. Le même endroit, dans la même place, et le même endroit, le même ambassade où on t'a refusé, cette fois-ci, Jésus dit, retourne. Tu ne seras pas refusé. Va en eau profonde. Jésus n'a pas dit, jette un seul filet. Ne limite pas Jésus. Jette tout filet que tu as. Et tu vas voir sa gloire. Il t'a donné plusieurs filets. Seigneur, je prie pour tes enfants. Tu nous amènes à une dimension plus élevée. Tu nous amènes en eau profonde. Tu nous amènes où nous n'avons jamais été. Tu nous fais parcourir des horizons non parcourus cette semaine. Amène-nous à cet endroit. Et merci pour les miracles que tu as réservés que pour nous. Et merci pour l'autorité de ta parole. Ta parole qui crée. Ta parole qui est une force créatrice. Alors que ta parole vient, que celui qui reçoit cette parole reçoit son miracle. Dans le nom puissant de Jésus. Même si tu es malade, la parole de Dieu, c'est une puissance créatrice. Elle crée la guérison. Tu es homme d'affaires. Jésus te dit, va en eau profonde. Va en eau profonde, homme d'affaires. Va en eau profonde. Va en eau profonde. Ne dis pas que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ne dis pas que ce n'est pas le moment de faire cette affaire-là. Ce n'est pas la saison. Ne dis pas que ce n'est pas la saison. C'est la saison. Va et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa puissance. Sa parole est vraie. Que le Seigneur te bénisse. Hallelujah. Thank you, Jesus. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est pleine de vie. Tu es le Dieu de l'espérance. Et je veux prier, Père, pour tous les visionnaires, pour toutes les personnes qui sont en charge d'une vision à qui tu as parlé, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient directeurs d'une entreprise, qu'ils soient maires, ou père d'un foyer, quelles que soient les responsabilités, les visions que tu leur as données. Je prie pour tous ces visionnaires, yes, Lord, afin que tu puisses les aider à voir plus grand. Père, on a entendu aujourd'hui, tu nous appelles à non pas seulement prendre un filet, parce qu'on ne sera peut-être pas en mesure de le porter. Je prie que tu nous donnes toute sagesse et toute intelligence pour amener ta vision là où tu l'as désirée.
Père, je prie que toujours tu nous rappelles tes promesses et que tu nous remplisses de toute sagesse et de toute intelligence afin que nous puissions aller là où tu veux, partager comme tu l'as voulu. Merci parce que c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui as multiplié les pains, tu as multiplié les poissons et tu as rapporté plus après que ton peuple ait mangé que ce qui était au départ. Tu les as fait asseoir par rangée. Tu as prévu les choses parce que tu es un Dieu visionnaire. Car je prie pour ces visionnaires qu'ils puissent voir comme toi tu vois. Je prie qu'ils puissent voir comme l'aigle qui voit bien loin. Qu'ils voient comme toi tu vois. Ta parole déclare que nous avons maintenant ta pensée. Nous avons la pensée de Christ. Et nous nous approprions ta pensée. Père, nous voulons garder ta pensée, ta parole, tes promesses pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas agir dans l'incrédulité, dans des choses petites qui t'enlèveraient la gloire. Père, je prie pour ces visionnaires. Je prie même pour EMCI TV, pour les ministères qui nous regardent, pour les visionnaires, les visions, ceux qui portent des visions pour ton royaume. Que tu nous aides à avoir ta vision, à voir grand et à jeter tous les filets possibles. Tous les filets, Seigneur, tous les filets. Père, nous ne voulons pas jeter un seul filet. On ne veut pas voir d'une façon étriquée, petite, avec nos raisonnements humains. Mais je prie que tu nous aides à voir les hommes et les femmes que tu as mis à nos côtés pour nous aider dans cette vision. Père, oui, je prie aujourd'hui spécialement pour l'intelligence et pour la sagesse, pour tous ces visionnaires. Remplis-nous de ta sagesse, de ton intelligence. Illumine les yeux de nos cœurs, de notre compréhension, afin qu'on puisse récolter et que rien ne se perde. Thank you, Lord. Je prie, Père, que rien ne se perde. Alléluia. Jesus. Alléluia. Okay. Thank you, Lord. Ce qui est important, Jérémie, voyons Pierre encore. Il a lancé un seul filet. Le filet est déchiré. Ça veut dire qu'il y a des poissons qui vont retourner. Il a même fait venir un renfort pour pouvoir faire sortir le filet. Qu'est-ce qui l'empêche, après avoir mis le filet, mis tous ces poissons dans la bague, qu'est-ce qui l'empêche d'aller encore? Qu'est-ce qui l'empêche? Alors pour lui, ils ont rempli deux bacs de poissons, c'est fini, c'est un miracle. Alors que ce que Dieu voulait faire, c'est incroyable. Il ne faut pas limiter Dieu. Et parfois, Dieu ne peut pas aller au-delà de ce que toi-même tu l'as conçu. Il ne peut pas aller au-delà de ta pensée. Quand cette femme a envoyé, quand la veuve a envoyé des vases, ça c'est 2 Rois chapitre 4, et quand les vases, tous les vases étaient pleins, la Bible dit qu'il s'arrêta. Qu'est-ce qui a empêché la dame à dire à ses enfants d'aller chercher encore des vases? Oui, ça l'est. Il faut pas. C'est nous-mêmes qui bloquons la puissance de Dieu. Il ne faut pas être comme Pierre, ni cette femme-là. Utilisons tous nos filets. Tous nos filets. Fais venir tous nos vases. Dieu, il est capable. Il est capable. Pierre a eu ses 2 bacs. Pierre et son équipe, ses amis, ont eu leurs 2 bacs remplis. Pour eux, c'est un miracle. Ils sont contents. Mais pour Dieu, ça, c'est rien. Par rapport aux poissons que j'ai bloqués pour vous. Je vais prier pour toi. La Bible dit, mon Dieu pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pas selon
toi ta richesse. Pas selon la situation économique de ton pays, mais il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Et tu ne seras pas privé d'aucun bien. Alléluia. Et David dira, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors que j'ai pris, accorde avec moi par la foi. Il va te donner au-delà. Il va aller au-delà. Comme l'apôtre Paul dit en Éphésiens 3, 20. Bien au-delà. Il va aller au-delà. Au-delà. Il ne faut pas voir les deux bacs remplis. C'est un pasteur, il fait deux cuites, c'est rempli. Pour lui, c'est fini. Mais il y a encore des poissons. Il y a encore des poissons dans la mer, dans l'eau. Il ne faut pas te limiter à ces deux bacs. Dieu va t'amener au-delà, en eau profonde. Reçois cette grâce et que Dieu t'amène au-delà. Au-delà. Au-delà de deux bacs. Au-delà. Le miracle qu'il a préparé pour toi, il n'y a pas de bac qui pouvait contenir ça. Que Dieu t'amène à cette dimension, homme d'affaires, qui t'amène à cette dimension, homme de Dieu, qui t'amène à cette dimension dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Déclarons la bénédiction de Dieu sur vous. Cette semaine, c'est motivant pour notre foi. Nous croyons que ce que Dieu a commencé, il va le poursuivre. Amen. C'est pourquoi on vous encourage aussi à venir être présent dans cette émission demain, dans Prière inspirée, où Dieu va continuer à vous parler, il va continuer à élargir nos pensées et à nous amener à cet élargissement. Comme dit la parole, élargis l'espace de ta tente. Yes, Lord. Et c'est ce dont on va parler en partie demain dans Prière inspirée. On vous bénit dans le nom de Jésus-Christ. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.